Bonjour à tous, c'est Alicia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Alicia Gaming TV. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Stardew Valley. Poussin est né les amis, ça y est, on a une poupoule en plus. Comment on va l'appeler? On va prendre encore un nom d'un nouvel abonné, pourquoi pas. On avait fait une des poupoules la dernière fois, c'était donc Liberty, pour le remercier de s'être abonné à ma chaîne. Et maintenant on va donc remercier Mira. Et lui c'était la bienvenue, Miralex, bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, on a récupéré notre hache en or. C'est trop cool. Alors,
pour les prochains. Donc après, ça sera l'iridium pour la hache. On pourra faire pioche en or, il faut 10 000. On pourrait faire la ou en acier quand on aura assez de fer. Parce que je crois que j'en ai pas assez du fer. Donc on verra un peu plus tard pour améliorer ça. Bien profiter de l'hiver du coup pour améliorer tous les objets. Il faudra que je retourne à la mine. J'espère avoir un jour de chance bientôt pour pouvoir retourner à la mine pour récupérer masse minerai. Parce que de l'or, j'en ai pas mal. C'est beaucoup de fer, c'est du fer que je manque. Donc il faudrait que j'arrive à avoir un jour de chance pour pouvoir aller à la mine. Du coup, un jour de chance pour avoir essayé de tomber sur des veines de minerai de fer. Ça serait cool. Alors, on a une quête. Alors, c'est le sorcier qui veut qu'on tue un jeune calmar. Ok, on nous récompenserait. Bon, on va essayer de la faire. On va aller dans la mine. Essayer de faire cette quête-là. Ça sera notre petit objectif de l'épisode. Alors, il y a... Ah, c'est l'anniversaire à Evelyne aujourd'hui. Il faudrait qu'on aille... On va lui donner un petit cadeau quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? J'ai pas... On peut un crocus peut-être? Je sais pas. Ou alors un tournesol. Elle aime bien les fleurs, alors... on va voir. Puis c'est son anniversaire, donc elle sera peut-être contente, on verra. Allez, testons. Un cadeau d'anniversaire, c'est très gentil de ta part. Bon, ben, elle a aimé. C'est cool. Parfait. Elle a aimé mon cadeau. Donc, ça va. Voyons voir si on a un peu augmenté avec Evelyne. Ah, ben oui, du coup, on a gagné pas mal de cœurs. C'est bien. On a bien avancé quand même au niveau amitié. Même avec certains, bon, on est un petit peu... comme Sébastien, il sort jamais de chez lui. Alors... Et quand il sort, on n'est pas là, nous. Il sort très rarement de chez lui, donc pour l'avoir, lui, c'est compliqué. Hein. Donc la noix de coco pour Linus. Allez, go à la mine, essayer d'avoir ce jeune calamar. Enfin, calmar. Voilà le jeune calmar qu'on doit tuer pour le sorcier. Il est là. Ah, ça y est, commence à m'attaquer. On a déjà l'échelle. Allez, on le tue et notre quête sera finie. Bah voilà, c'était vite fait. Voilà, notre récompense, on va aller récupérer nos sous. Récupérer nos sous auprès du sorcier mais le lendemain parce que là c'est 23h40, il sera en train de dormir. Donc là c'est parfait, on va pouvoir aller au dodo. Les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain épisode pour Stardew Valley. Bye bye.